Dis-moi, est-ce que tu aimes la belle cuisine, la cuisine attentionnée, la cuisine sophistiquée, la cuisine de la grand-mère, tu vois, mais en mode un peu gastronomique, comme ça, lorsque le souci du détail et de la présentation sont ô combien importants, avec des ingrédients introuvables, des recettes longues comme le bras. Eh bien, si c'est ton cas, sache que tu n'es pas du tout au bon endroit, parce que c'est pas exactement comme ça qu'on va procéder dans cette vidéo, en fait. Parce que moi, je fais jamais ça dans la vraie vie. Bah, en fait, perso, je préfère quand c'est simple, rapide et efficace. Et donc, bienvenue dans mes recettes balèques de prise de basse. Balèque ? Bon, mon but, c'est pas de te dégoûter non plus. Et on commence tout de suite avec cette première recette. Pour celle-ci, il va te falloir un bol, une cuillère, des fruits rouges congelés qui vont pouvoir relâcher leur jus quand ils vont dégeler, du céré maigre parce que c'est une super source de protéines. Après, t'es pas obligé de prendre du 0%, bien sûr. Et puis, une petite banane parce que c'est bon. Tu veux contribuer à la vidéo, Doudou ? Vas-y, voice-over. Vas-y, anus. Voilà, je commence par balancer mes fruits rouges dans le bol, 60-70 grammes, un petit peu à l'envi. Et ensuite, bah, je pars vivre ma vie pendant une dizaine de minutes en attendant que ça fonde et que ça relâche un petit peu le jus. Vient ensuite le moment de rajouter le céré maigre. Alors généralement, ça part autour de 400 grammes, ça dépend la taille du bol que je choisis aussi. Juste avant l'heure de déshabiller bah, la banane. Voilà, après toi, t'es pas besoin de filmer ça si t'es un petit peu pudique. Hein, je comprendrai, y a pas de souci. Tu peux la peser si tu veux, comme moi. Et puis, évidemment, on n'oublie pas de composter la peau, c'est très important. Et vient ensuite bah, le dilemme pour couper la banane, tu vois. Soit j'utilise un couteau et une planche, mais je vais devoir les laver après, donc bah, ça me saoule un peu. Soit j'utilise rien grâce à ma super botte secrète. Pour ma défense, normalement, il n'y a personne qui me voit faire ça. Et voilà, c'est plus rapide. Et bien sûr, à cela, on rajoute 200 grammes de doudou. C'est quoi tes macros, doudou? C'est protéines, c'est plutôt gras. Un petit bout de fesse, pourquoi pas, hein? Entre en scène ensuite les graines de chia, qui sont remplies de bons nutriments, même si c'est assez calorique en prise de masse. Tout passe, comme j'aime bien dire. Après voilà, si c'est chiant à trouver, bah t'en mets pas, hein. Et si jamais tu veux faire encore plus le mec avec tes graines exotiques, eh bah tu peux les verser en slow motion comme ça, c'est beaucoup plus stylé. Je me suis toujours dit que ça ressemblait à des œufs de mouche ce truc. Non, bah j'ai rien d'autre à dire, c'est tout. Par contre, attention, parce que là, ça pourrait presque commencer à être joli. Donc, étape très importante, on va bien tout mélanger. Hein, ça, tu t'en souviendras. Ça permettra en plus au jus des fruits de donner du goût au céré. Ensuite, les choses sérieuses commencent, parce que ça va être l'heure de balancer le muesli. Suivant l'humeur, je pars sur un mélange de 5 céréales, auquel je rajoute une sixième, parce que pourquoi pas, avec des flocons de soja, histoire qu'il y ait un petit peu plus de protéines au total. Alors là, je fais le mélange moi-même, tu vois, comme un vrai fermier, en proportion de 3 quarts, 1 quart, comme tu peux voir. Et normalement, bah, tout se passe bien. C'est pour mieux le mélanger, en fait. Technique de grand-père. Et parfois, j'ai envie de céréales un peu plus sucrées, tu vois. Voilà, je suis qu'un homme, j'ai mes propres faiblesses, bien sûr. Et donc, je prends du granola protéiné, bah, qui a quand même des ingrédients, des macros pas trop mal. Et puis, bah, c'est meilleur, en fait. Et là, tu vois, quand j'ai filmé la vidéo, bah, j'étais plutôt humeur granola. Voilà, écoute, ça arrive. Donc, j'en rajoute 65 grammes, hein. Attention, c'est très précis. Allez, 5 grammes de plus, on dira, hein. C'est sec. À ne pas faire en sèche ce genre de choses, hein. Attention. Mais Doudou, tu tapes dans mon trépied, Doudou, enfin. Je peux pas travailler dans ces conditions, moi, Doudou. Bah, je suis d'accord. Doudou, faut qu'on parle d'un truc sérieux. Ça te dérange si je t'exploite pour des vues, Doudou? C'est pour payer des croquettes, tu sais, c'est pour la bonne cause. Bon, écoute, t'as l'air d'accord, hein. Vas-y, faut signer en bas. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, on remélange à nouveau le tout comme il faut. Ce sera jamais le mauvais moment pour mélanger dans ces recettes, je te préviens tout de suite. Et on prend les mesures nécessaires si ça commence à déborder, bien sûr. Ça, c'est très important. Et voilà, écoute, on a presque fini déjà. Alors, si t'en as, tu peux rajouter quelques fruits frais délicatement par-dessus. Moi, par exemple, je t'avoue que j'aime bien mettre des myrtilles en plus. Et heureusement, j'ai toujours ma petite pince de cuisine pas loin. Non, je déconne, il suffit d'en balancer une bonne poignée avant de leur mettre la misère avec le reste, en mélangeant une bonne dernière fois. Et voilà le fromage balèque aux fruits rouges dans toute sa splendeur. Un repas très rapide, bien protéiné et avec autant de glucides que tu veux. Voilà, en fonction des fruits et du muesli que tu mets, bah, tu peux adapter un petit peu tout ça.
à ton propre goût. Allez, on passe maintenant à la deuxième recette, le cousin, El Famoso Chili Balek, bien sûr, une recette très pratique pour préparer plusieurs repas en une fois, et pour lequel on va commencer par faire cuire 150 g de riz cru, ce qui me permettra de faire deux portions au total. En parallèle, tu peux préparer deux oignons, et ça ira beaucoup plus vite si tu as le bon doigté, évidemment, mais il faudra probablement quand même leur donner quelques coups de couteau sur la fin. En tout cas, moi, je suis obligé, je suis pas assez fort. Après, il faudra sortir la poêle pour pouvoir attaquer la cuisson de la viande. Alors perso, je mange pas de viande, mais j'ai essayé la marque Beyond Meat il y a pas longtemps, et honnêtement, je trouve ça carrément bon. Alors c'est assez gras, mais il y a des protes, donc en prise de masse, ça passe facile. Et j'utilise ça dans mon chili, mais bien sûr, tu peux prendre du bœuf et commencer à en faire cuire 400 grammes. Alors moi, faut que je fasse gaffe à pas faire cramer mon riz entre temps, parce que j'arrive jamais à faire mon riz correctement. Et là, tu vas me dire, oui, achète une machine. Bah oui, je sais, il faut que j'achète une machine, voilà. Et je rajoute les oignons dans la poêle pour faire cuire tout ça ensemble. Et j'aime bien rajouter quand même des légumes en plus, même si en prise de masse, quand il faut manger beaucoup, les légumes, ça aide pas beaucoup. Et là, je suis parti sur des brocolis, dont j'ai fait décongeler environ 200 grammes. Pas oublier de mélanger, très important. Et on ne fait pas de chili sans haricots rouges, bien sûr. Une superbe source de protéines et de fibres que bah moi j'adore personnellement et j'ai aucun effet secondaire, figure-toi. Et donc je rince une canette de 260 grammes que j'ajoute à la poêle, bah évidemment, avant de continuer de tout bien mélanger, hein. Je précise peut-être pas à chaque fois, mais il faut mélanger au fur et à mesure, c'est très important. À partir de là, on peut rajouter tout le riz qui normalement est prêt et bien cuit, et ça va être le moment d'ajouter de quoi lier un peu tout ça, parce que là c'est un peu juste des trucs mélangés. Alors on va mélanger encore plus et on va mettre de la sauce tomate. Là j'utilise généralement une sauce arrabbiata, parce que j'aime bien, ça pique un peu, ou alors des tomates concassées en coulis quand je veux être plus sobre et plus distingué. Mais là, je me sentais pas dans la distinguation, tu vois, donc ça part sur l'arrabbiata et on en balance les 400 grammes avant de donner un bon petit coup de mélange. Bien sûr, on doit encore assaisonner l'ensemble. Perso, j'aime bien rajouter du poivre, de l'ail en poudre et du piment de Cayenne pour rajouter un bon petit goût piquant encore sur l'arrabbiata. Après, voilà, tu y vas à l'œil à ce niveau-là, hein. C'est pas une science complètement exacte. Enfin, je crois, il faudrait demander à Chebest. Toi-même, tu sais, va falloir mélanger une toute dernière fois. Oh, fia, toutes les bonnes choses en tulfa. Et puis ensuite, je vais peser l'ensemble et le diviser dans des petits tupperwares en le nombre de repas que j'avais prévu de base, soit 2. Et voilà, le super chili balek est terminé. Et en plus d'être délicieux, eh ben, il fournira un bon millier de calories par portion. Mais attention, c'est pas tout. Prochain tuto, ça va être la vaisselle balek, regarde. Hop là, ça y est, fini. Petite astuce du chef, en fait, si je rajoute des brocolis dedans, c'est pour une bonne raison, c'est que bah, ça permettait de mieux différencier avec la nourriture de Doudou, histoire de pas me tromper, ça m'est arrivé une fois. Bon, c'est pas vraiment mauvais, après, c'est pour la prise de masse de Doudou, donc j'ai pas envie de lui niquer ses macros, forcément, attends. Ok, Doudou, à table. On va prendre du muscle ce soir, Doudou. Eh, toi aussi. Deuxième astuce du chef pour pousser le balek un peu plus loin, mon set de table. Hop, hop, et on n'est y pas. Parce que tu comprends, le balek, plus que juste des recettes, avant tout, évidemment, c'est un style de vie. Troisième astuce du chef, pour ceux qui ont besoin de plus de calories, il y a ma sauce secrète. Ma sauce secrète. Ah, c'est pas ce que tu crois. T'as l'esprit mal tourné, c'est pas de ma faute. Non, moi je te parle évidemment de la magnésie Eric Flag. Après, c'est peut-être pas à chaque fois, mais ce que j'aime bien faire, c'est juste cadrer un petit peu le truc. Mais non, bien sûr, je rigole, c'est dangereux à ne pas consommer comme ça. Moi, je préfère me la mettre directement. Ok, repas suivant. Ok, c'est y part, on enchaîne sur le troisième repas, t'inquiète, ça devient de plus en plus simple. Hein. Alors là, il va me falloir une poêle, il va me falloir de l'huile de cuisson, comme de l'huile de coco, des œufs bio, parce que c'est meilleur, et du fromage digne de ce nom, comme, je sais pas, par exemple, du bon gruyère bien suisse, bien sûr. On met un peu de graisse à chauffer dans la poêle. Écoute, je suppose que tu sais comment ça marche, hein. De toute façon, je casse autant d'œufs que je veux en fonction de mon envie du moment. Là, je sais pas, je suis tombé sur 4 et je laisse ça cuire un petit peu gentiment avant de sortir l'arme du crible, ah, la râpe à fromage. Là, je pèse mon gruyère avant si j'ai envie de savoir combien j'en mets, bah c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo, mais c'est vrai que si je le fais pas à chaque fois, je vais pas te mentir, parce que l'idée, ça va simplement être de faire un genre de maquette. Tu vas essayer de construire une petite maquette de montagne au milieu de tes œufs. À toi de voir ce que tu te sens d'escalader par la suite. Et une fois fini, eh ben moi je repèse mon gruyère pour évaluer les dégâts. Et parfois je suis content parce que je tape un chiffre rond, tu vois. Ça fait partie des petits plaisirs de la vie, hein, tu connais. Bien sûr, on assaisonne le tout, toujours avec du poivre et de l'ail en poudre, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Et là, attention, étape très importante. Voilà.
Et donc, il ne me reste plus qu'à te présenter la superbe omelette du fromage. Voilà, omelette, je précise, c'est une appellation d'origine non contrôlée dans ce cas de figure. Et si tu as la référence de l'omelette du fromage, franchement, t'es un bon. Bon, je pense que t'as 30 ans comme moi, mais c'était vraiment la bonne vieille époque. Omelette de fromage. Bon, après qu'on se le dise, ça fait pas beaucoup à manger, donc avec ça, je rajoute souvent une source de glucides, bien sûr, comme par exemple des gnocchis, des lentilles, du quinoa, des pâtes de pois chiches, des pâtes normales, du riz, ou sinon encore meilleur. Un petit bout de cul de doudou, hein? Du cul de doudou? Ouais, je t'en prends un bout. Bien sûr, il y a moyen de boucher des trous de protéines en se complémentant, ce qui est plutôt pratique pour moi à certains jours. Généralement, je te balance une bonne scoop de Clear Whey et une petite de Whey Isolate Nature, toujours avec mes 5 grammes de créatine quotidien. On rajoute de l'eau bien fraîche, et puis évidemment, bah, il faut shaker tout ça, hein, on shake it, ah, ça va pas se faire tout seul. En général, j'en prends au moins un sur mes jours d'entraînement pour gagner du temps. Dernier tuto, et oui, tu l'as deviné, le repassage de chemise. Balek, voilà, fini. Un autre repas balek par excellence qu'on ne présente plus, les pâtes, bien sûr, que je me fais autant en mode fat, parfois, avec une sauce bien pleine d'huile et du parmesan, ou encore en version light, avec une sauce tomate cottage cheese protéinée. Ah, le cottage cheese, putain, toujours une valeur sûre dans mon frigo depuis si longtemps. T'inquiète, c'est pas prêt de changer. Après, voilà, je vais pas t'expliquer comment faire des pâtes, hein, mais bah perso, quand j'ai faim, rien de tel que 300 grammes de pâtes. De pâtes crues, je précise, dans une bonne sauce, avec une petite burrata sur le côté, et un petit filet de magnésie par-dessus, bien sûr. Et sinon, une autre valeur sûre de la prise de masse, les tartines de beurre de cacahuète. Avec la confiture en prime, ça fait jamais de mal non plus. Perso, j'aime bien. Après, j'imagine que c'est une histoire de goût, tout ça. Voilà, ne pas hésiter à bien charger la tartine, hein, si t'arrives pas à prendre du poids et à donner un peu de ta personne pour que ça passe ensuite, parce que c'est vrai que c'est assez consistant. Ça te mange la bouche. Oh, la prise de masse est bientôt finie. Tant mieux. Et donc, par extension, tout ce qui est mélange de noix, voilà, cajou, amandes, cacahuètes, tout ça, bah ça fera l'affaire à grignoter tout au long de la journée quand il faut empiler de la calorie efficacement. Je crois que je viens de fabriquer mon propre beurre de noix. Bientôt en vente sur la boutique, en version smooth et avec morceaux. Bon, on part sur la dernière petite astuce du chef. Comme tu l'as vu, mélanger les aliments, c'est cool, c'est très important, mais tu peux pousser ça encore plus loin, bien sûr. Et ouais, place au mélangeur ultime, une invention extraordinaire, le mixeur, avec lequel tu pourras te faire des gainers maison en fonction de tes besoins et préférences. Après, voilà, j'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos sur la prise de masse que je te recommande. D'ailleurs, si tu veux plus d'astuces pour apprendre à contrôler ton appétit, que ça soit manger plus en prise de masse, manger moins en sèche et que ça reste supportable, j'ai fait un petit épisode de podcast qui devrait être sorti en même temps que cette vidéo. J'ai tout balancer dedans. Voilà, si jamais ça peut t'aider. Et bah tant mieux! Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux t'abonner, c'est la fin de la vidéo et pour fêter ça, pizza. Il va pas falloir se rater parce qu'il y a qu'une seule prise. Une fois que j'ai explosé ce truc, je le refais plus jamais de ma vie. Qu'est-ce que je fais dans le congèle, putain? Bon voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. C'est tout. En vrai, c'est même pas bon, parce qu'il n'y a rien qui a fondu, ça a pas de goût et tout. C'est de la merde.